partitaise pointe du doigt les politiciens. Madagascar souffre d'une crise institutionnelle. Selon le partitaise, depuis la transition, une forme de dictature s'est installée dans le pays. Les autorités ont instauré une politique axée sur la répression et non sur la bonne gouvernance, selon toujours le partitaise, faisant allusion à l'affaire L'île Saint-René. Selon Jean-Louis Rakutuambu du partitaise, on constate la continuité de l'État répressif. Il rappelle la mise en place du FIS, dont le sénateur Lilson était d'ailleurs membre. Il pointe notamment du doigt le pillage de nos ressources naturelles. Notre interlocuteur fait la comparaison entre les actions effectuées par Indradwell durant la transition et celles du président Erazon Armapian. Il rappelle qu'à l'époque, le président de la transition avait déclaré qu'il allait partir pour le Qatar en quête d'investisseurs alors qu'il se rendait à Dubaï. Il a relevé le voyage que le président de la République a effectué dernièrement à Singapour. Selon lui, le but officiel de ce déplacement était de rencontrer des opérateurs alors que c'était tout simplement pour parler affaires concernant notamment les bois de rose de Madagascar. Pour le partitaise, tous les politiciens sont logés à la même enseigne. Chacun est à la recherche de profits personnels. Ils appliquent la médiocratie et l'État répressif et non la démocratie.